Hello tout le monde, on se retrouve donc pour ce nouvel épisode sur Dragon Quest 11. Donc la dernière fois on avait fait les égouts, donc, on va dire niveau sympa, court, hein, c'est vraiment bien de revenir dessus, donc on avait pas mal de mobs, donc c'est vraiment des zones à XP, hein, si franchement vous êtes en manque de niveau, hein, clairement, vous pouvez farmer le donjon parce que les ennemis rapportent pas mal d'XP. Et on va dire le taux de repop est assez rapide. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement se diriger vers le château d'Héliodore, donc à l'ouest. Puisque nous avons fait les donjons inférieurs, nous avons fait le donjon niveau supérieur et les égouts. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt pas mal. On va voir si l'épisode d'aujourd'hui va durer un peu plus longtemps ou pas. Alors, donc la dernière fois, j'ai fait durer l'épisode un peu plus longtemps volontairement. Tout simplement parce que je voulais faire tout ce qui est la zone des égouts en un épisode, sinon j'aurais dû mettre deux épisodes et franchement couper en plein donjon c'est pas vraiment le top. Tandis que là voilà, j'ai coupé, ils m'ont mis un point de sauvegarde, ce n'est pas pour rien, donc je pense qu'il va sûrement avoir un boss. Enfin, fan de donjon, c'est un boss souvent. Et donc peut-être allons-nous rapporter la lumière sur Héliodore. Ça sera vraiment le début. Toi, qu'est-ce que tu as? Ok, lui, alors lui c'est à nouveau parce qu'il y a deux minutes c'était un décapité. Bon, là voilà, on a un manipulateur. Bon, il va pas faire long feu. Ouais, t'as raison. Tu sais que tu fais très mal en plus. Bon, ça va. Les monstres bon, ne sont pas non plus très forts. Mais si vous les enchaînez, voilà, ça fait quand même beaucoup d'XP. Bon, là, c'est seulement 384, mais allez dans le niveau... enfin, dans les autres niveaux, pas du côté là. Vous allez de l'autre côté, vous pouvez me croire que... Voilà, la preuve, celui-ci s'en va. Il y a pas mal d'oseilles à se faire. Et c'est parti. Château d'Héliodore. Alors, ok, donc, dans cet épisode, on va faire le château, hein. Et c'est parti. Bon, ça, le château n'est pas trop grand non plus. Donc voilà, même les ténèbres n'ont pas épargné ce magnifique château, hein. Alors nous, on prend notre temps, alors que de l'autre côté, ils sont en train d'avoir un assaut de monstres. Mais bon, je les ai analysés, c'est seulement des monstres de niveau 3 ou 4, quoi, pas plus. Ici on a un monstre, hein. Ouais, bon, toi, je vais pas t'embêter. Toi non plus. Hop. Ils vont fuir, hein. Donc si on est là, c'est juste en plus pour visiter, hein, pour récupérer d'éventuels objets. Trois remèdes spéciaux, hein. Les remèdes, ce ne sont pas si dégueux que ça. Ouais, à mon avis, on va devoir revenir ici plus tard pour s'enfuir. Donc on sait que là, il y a une étagère bizarre, enfin qui attire notre attention. Alors ensuite, nous avons quoi ici? Ouais. Autant t'éliminer parce que tu vas nous embêter. Alors ce ne sont pas non plus des monstres excessivement forts, hein. Ce sont juste des Tados. 431, voilà quoi. Donc là, il n'y a absolument rien. Even the great stairway lies in ruins. The usurper will be in the throne room, if he is anywhere. He must be found and punished.
which means we must seek another way up. Ouais, mais voilà. On dirait la... la servante de Mortegor, comme ça. On sait qu'on allait avoir une cutscene avec. Une poupiège. En tout cas, je la trouve très jolie. Mais le chara-design des monstres, quoi, voilà. On a quoi? On a des poupièges, des manipulateurs. On a encore quoi? Là-bas, voilà, on a une feuille d'Yggdrasil. Enfin, d'Yggdrasil. Moi, on a survécu. Come, Jasper, do your worst. If you insist. Curse you, Hendrik. Brute strength wins the day again. It is good to see two young men with such spirit. Huh? Mm? But I order you to cease your horseplay and greet our latest arrival. I present Princess Jade. When you grow older, you will be the guardians of this great kingdom. I am counting on you. And now, so is she. With my might and your wisdom, we will surely be the greatest knights this kingdom has ever seen. Long may we protect the princess and all her people. Huh? Jasper, are you listening to me? What is this? Why, the shield of Heliodor, of course. Symbol of the kingdom's greatest knights. His Majesty keeps it in his private chambers. If we are destined to become such men one day, one of us will surely wear it. I would very much like to see it, wouldn't you? And how do you propose to do that? One cannot simply stroll into the king's chambers uninvited. I have my ways. I just so happened to spy a certain someone treating himself to a midnight feast in the kitchens. Huh? None other than His Royal Majesty. He slithered out of a secret passage behind a cupboard and set about the leftovers. That passage must lead to his chambers. You devil! You've solved the mystery of his bulging belly. The queen will make you an earl for such a service to the kingdom. We meet in the kitchen at midnight. Agreed? Agreed. Of course. The passage to the king's chambers.
What was that? A vision? A dream? So this is your power, Luminary? You are able to draw on the memories amassed within the World Tree? To pry into others' pasts. Very impressive. The kitchen is on the north side of the castle, beyond the banqueting hall. Come. Donc c'était le vaisseau qu'on avait vu tout à l'heure. Donc bah c'est parti hein. Alors, de toute manière ici, il n'y a plus rien à faire. Bon, il y a des monstres, mais on s'en fout. Littéralement. Ensuite, on doit tourner ici. Là, il me semble. Oui, on l'esquive, on passe comme ça. On ouvre la porte. Par contre, là, il y avait quoi ? Il y avait une porte, mais c'est condamné. Hein. Donc c'était le vaisselier là. Ce buffet semble un peu instable en le touchant. Essayez de déplacer. Bien sûr. I did not make it here that night, you know. I was caught trying to slip out of my chambers. The king made me polish all the armor in the castle. Jasper was disgusted with me. We had a furious argument. We had so many in those days. But there was more happiness than strife. Life was simple. We had a purpose. We would have stood together in defense of Heliodor no matter what. I have treated you poorly. Forgive me. My loyalties have been tested, but not by you. Whatever lies ahead, we must face it together. Will you stand beside me? Alors clairement j'hésite, hein. T'as essayé quand même de me tuer beaucoup de fois, hein, depuis le début du jeu. Hein. Alors, château de Léodore, niveau intermédiaire, appartement du roi. Ok. Alors, c'est quoi ce niveau? Donc, on va faire le sud. Ouais. Ok. Oh là-bas, il y a des livres, hein. Il y a 36e, hein, on s'en fout. C'est pas des recettes, hein. Des recettes, ça me manque, hein. Ah bah voilà, en parlant de recettes. Oh, le petit Yoshi. Là, on a un peu trop de recettes. Hein. Voilà, je demandais des recettes, mais j'en demandais pas tant non plus, quoi. Alors, on va aller ici. Donc là, ça nous ramenait. Dans la grande salle. Tenue de voyageur. Ah, c'est pas la peine de regarder deux fois, il n'y en aura pas deux. Hein. Euh...
Il y a un bon petit coffre. Un lingot d'or. C'est pas mal ça. Là il y a quoi? Il y a absolument rien. Le petit Yoshi se dirige par là, donc forcément nous devons aller par là. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas y aller, hein, clairement pas. Donc là-bas, ok, donc on a deux poupées pièges, je vais réussir à le dire. Alors, par contre, normalement, voilà, on doit aller dans la salle du trône. Puisque voilà, l'imposteur devrait se trouver dans la salle du trône. Est-ce qu'on peut aller là pour voir ce qu'il y a? Non, parce que voilà quoi, il doit y avoir pas mal de choses, hein, je ne dis rien, mais. Donc là, il y a le passage. Donc là, ouais, là c'est de l'autre côté. Ici, nous arrivons sur les hauteurs de la salle du trône. Et de toute manière, on va la taper, la demoiselle, hein, même si on n'est pas obligé. Par contre, elle met des mandales. Bon, elle met des mandales, mais bon, en deux coups, c'est réglé. Hein. Souverain brésilien, ok. Là, on peut pas l'aller. Ok, c'était juste pour un point d'objet. Oui, tu as raison. De ronfler. Je veux que tu ronfles, mais va te coucher. Va dans le lit. Et c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut passer les deux poupées pièges? En fait, c'est comme si elle nous accueillait, quoi. La tête baissée, voilà. Ça me fait un petit peu penser à la poupée de Bloodborne. Allez, c'est parti pour les révélations. You have done well to make it here, old friend. And with the Darkspawn in tow, no less. Oh, bravo. Jasper. Temper, temper. Brute force may have won the day once upon a time. But things are very different now. Why? Why did you give yourself to the darkness? What of our pact? We swore fealty to Heliodor. We promised to protect the kingdom. Together! Why? You, of all people, ask me why? Does something amuse you, traitor? It is I who must ask you why, surely. Ah!
why is it that you always thought yourself so much better than me? Why was it always you who was given the golden opportunities? Why was it always you who got just what you wanted? Why? Tell me why! Well, no more. I will be second best no longer. I know the truth now. Love, dreams, light, friendship, all these count for naught. All that matters is power. And the only power that matters is that of the darkness. There is one who sees the worth in me, who deserves my fealty, who gives me the power I crave, and all who stand in his way must be destroyed. Family, my friends, all to the dark power that you serve. I lost my faith, my purpose. Though some called me hero, I believed I was a fraud and that I was powerless to protect them. But I can protect them. I must. And there is one I must protect above all others. It is the Luminary's duty to deliver the world from evil. And it is my duty to protect him. Jasper, you are a traitor to your kingdom, a servant of evil, and a threat to the servant of light. I sentence you to death! Really, old friend? Forgive me if I do not begin quaking just yet. Now let us end this farce. You will outdo me no longer, Hendrik. This time it is I who have been chosen, and you who will fade into obscurity. Jasper. Well met, worms. I am Tyriant, servant of the Lord of Shadows, and proud bearer of the title of Spectral Sentinel. You
would return the world to brightness. Fools, wretches, the time of light is no more. The age of darkness looms. All is as the Lord of Shadows wills it. As long as I yet live, the dawn shall not return to this place. Now, step forward, friends. Eternal night awaits! Bon bah c'est parti hein, désincarnatus s'approche, c'est parti. Alors... Bon, il est tout seul, on va vraiment optimiser les attaques solo. 210. Non mais tant que c'est sur lui, c'est pas trop grave, hein. Ça ne m'atteint pas. Là par contre il peut mettre une méga protection, hein, ça serait vraiment super. On va faire que ça. De toute façon en sort j'ai quoi, clairement. Tu peux lancer ton sort super élève. J'ai quoi, Endor, ouais j'ai que vraiment Endor. Meilleur, voilà, c'est utiliser coup près. Mais dès que je peux changer son arme, je change l'arme de NG. Oh là là. Allez, m'embête pas. Contre-attaque, allez hop. On va toujours se concentrer sur les Incarnatus. Alors tu bats ton âme directement de ce côté là. Normalement ça doit faire rater. Ah non, ça fonctionne. Ah, c'est maintenant que tu lances le méga protection, ok. Non, sincèrement, le combat n'est pas difficile. T'es surveillé les PV. Et voilà. Donc c'est juste là qu'il va faire bien attention. Oh, c'est pas grave, c'est sur lui. Quoique là, ça aurait fait très très mal quand même. Hein. En fait, là, je peux même utiliser... Ah non, je peux pas utiliser le... Ah, tout c'est pas très simple, quoi. Ah, dès que notre barre de vie passe des trucs des 50%, faut pas hésiter à sommer. Par contre là tu vas commencer à me les casser en... attends, toi je vais te régler ton compte. Voilà. Il est marrant comment il court. Tink, 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 tink. Et voilà. Désincarnatus est vaincu.
10 500 points d'expérience et 8 000 pièces d'or. Or ça, franchement, c'est un bon boss. Obsidian, thank the heavens I have one truly faithful friend. The darkness may have dissipated, but we cannot know what toll the battle took. We must return to the last bastion and see what, if anything, remains. Région d'Héliodor. Alors, c'est parti. Donc on va s'arrêter au camp. Celui-là, voilà, pour l'hiver. Info, sur les monstres. C'était quoi les monstres dans la zone qui me manquaient? Armure. Il me manque un monstre. Alors du coup le, je l'ai fait. Peut-être le magicien là-bas, non? Enfin normalement je l'ai vaincu hein, celui-là. Enfin, on va bien voir. On va s'arrêter là, on verra ce qu'est devenu l'ultime rempart dans le prochain épisode. Voilà. Our triumph was never in doubt. Alors, d'hiver. Alors, on a Griffon, le maudit Tavon, Scrépélis, Lion de métal sombre, Ghoul, Vampilo, Vampivol, Armure infernale. On va passer par là, de toute manière, droit devant, c'est le camp. Mais en tout cas, c'était pas mal, les événements du château étaient plutôt bien mis en place. Toi, je t'ai pas battu. Ça serait vraiment bien si on pourrait le vaincre, le petit gluant. Et voilà, il s'enfuit. C'est dommage. Victory is ours. Euh...
Parce que du côté là-bas, on avait été. Oui, ça, c'est les bulbes. Je regarde un petit peu, hein. Par quel monstre ça, c'est les croix assassins, on les a fait. Là, ce sont les soldats, les tictions, on l'a fait. Donc voilà, nous on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, voilà, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest 11.